Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne G2D pour une nouvelle vidéo sur le jeu de rôle Défi Fantastique. Et aujourd'hui j'ai reçu un beau petit cadeau, c'est-à-dire le nouvel écran pour ce jeu de rôle magnifique. Et c'est pas François Le Tartre qui me contredira. Donc il vient en remplacement de cet ancien écran qui n'était plus commercialisé depuis un bout de temps. Donc ça c'était un écran que j'avais bricolé à partir de fichiers PDF. En attendant le nouveau avec les premiers tableaux du livre de base. Mais entre temps, il y avait le livre Titan et Monstres de Titan de sortie. Et il manquait une petite mise à jour de ces tableaux d'aide de jeu. Donc dans cette nouvelle version de l'écran du meneur de jeu, on a bien sûr l'écran, mais aussi un scénario complet pour Défi Fantastique intitulé La quête des oiseaux de sagesse. Donc un supplément de 100 pages tout de même. Donc on va ouvrir le paquet et découvrir à quoi ça ressemble ensemble. Allez, on se retrouve. Voilà, j'ai déballé le petit paquet. Donc on trouve une petite feuille de présentation. Donc c'est un jeu fait par Scriptarium en version française, bien sûr. On trouve ici l'écran, le saint écran. Et on peut voir que l'illustration a complètement changé de style. C'est simple, c'est discret, mais c'est très beau. On va ouvrir le panorama complet. Donc on voit que dans le premier volet, un dragon observe sur sa droite quelque chose. Une large plaine pluvieuse. Et ici, un groupe d'aventuriers qui s'approche. Une rencontre, un combat qui va commencer, s'apprête à débuter. Et de l'autre côté, on a un écran avec tous les tableaux et c'est tout en couleur. Donc là, vous voyez, il y a plein de choses, plein d'informations. J'essaie de vous présenter en version complète. Donc sur le premier panneau, on voit tout ce qui est régénération de vie, des calendriers. Les dégâts spéciaux, les modificateurs aux attaques courantes, tout ce qui est perception, et je pense que les petites références ici, c'est les numéros des pages. Donc ça c'est intéressant, on renvoie au niveau des pages du jeu. Là, sur le deuxième panneau, on a tout ce qui est modificateurs au combat, les armes et armures, les armes à distance, les situations à distance, les manœuvres de combat, les armes spéciales, les échecs critiques, tout ce qui est armure, et le dernier volet, on a la gestion de la peur et tout ce qui est sort. Modification de magie, lancement des sorts, échecs critiques en magie, les échanges critiques et tentez votre chance. En tout cas, c'est un écran très lisible. La couleur, c'est pas juste pour faire beau, en fait il y a une utilité, on retrouve les informations par catégorie, par couleur, donc c'est niveau de l'œil, on l'a devant nous, ça facilite la lecture. Et l'écran, moi j'adore, il est moins coloré, mais c'est un bel écran, très discret, mais très beau, donc il s'acclimate à tout de jeu. Donc ça c'était pour l'écran et après on a le petit livret donc avec la quête de Sébastien Urbanek et c'est parti, on a toute la liste des gens qui ont participé à cette aventure. Alors l'écran du meneur deuxième édition, l'illustration panoramique de Gidus. Et à l'intérieur, c'est une commande spéciale au niveau des illustrations. Normalement, on a des illustrations inédites à trouver. Donc toujours une présentation en deux colonnes par page. Donc c'est très lisible. Les caractères de bonne taille. Oh oh oh. Et voilà. Et le style d'illustration qu'on peut retrouver. Je vais essayer de recadrer pour que vous voyez mieux. Donc à l'ancienne, vraiment typique des livres dont vous êtes le héros, mais ça c'est des commandes
je pense, spécial à l'ouvrage. La première partie du voyage, le deuxième jour, donc tout est bien détaillé. Je vais feuilleter rapidement pour que vous voyez un peu le contenu, les donjons. Donc bien sûr, si vous êtes joueur, coupez la vidéo, hein, sinon vous risquez de vous spoilier. Par contre, pour les autres, pour les maîtres des donjons, faites-vous plaisir. Donc, voilà un ouvrage. Une superbe illustration. 2017, donc c'est une nouvelle illustration. Vraiment magnifique. On a les plans, on a vraiment tout ce qu'il faut pour cette campagne. C'est complet. Les cartes. Le monde de Rocampointe. Donc en fait, ce scénario se passe dans l'ancien monde. Donc, si je me souviens bien, au niveau du nord-ouest du continent. Les monts Rocampointe orientaux. Et on recherche un oiseau mystérieux. Regardez ici, on a même des cartes de région. Donc ça, on n'en a jamais trop. Et ça, c'est le genre d'aide de jeu que j'aime bien. Les tables de rencontre, notre meneur, les aides. Donc c'est du papier glacé. Il y a fait une bonne, très bonne qualité. Ici, tous les textes. Encore des elfes. Avec une elfe mystérieuse au milieu, avec sa garde. Qui est cette dame? On le verra bien. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être commodes. Est-ce la reine Nerwenn? Les trolls. Vous voyez, il y a plein de lieux différents. Ça a l'air d'être assez épique. Ici, on approche la fin. Et un dragon, bien sûr, dans toutes bonnes histoires. Et à la fin, on a même les prêts tirés. Donc, on a un mage humain. Un ménestrel assassin humain. On a une chasseuse de primes elfe noire, un noble humain dépossédé de ses terres. Donc c'est pas mal. On a des personnages qui sortent un peu de l'ordinaire. Et enfin la petite pub bien méritée. Donc c'est un ouvrage souple de 106 pages. Très bonne qualité. Donc pour une somme de 29€, vous avez l'écran plus un scénario complet. Donc il n'y a pas de raison de bouter son plaisir. Alors je vous recommande, je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ma page Facebook, sur la vidéo, des questions ou autres. J'y répondrai avec plaisir. Alors je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut, ciao.